Journal de bord du capitaine Guybrush Threepwood. Perdu en mer depuis des jours, je n'ai ni équipage, ni instrument de navigation, ni provisions à part un hot-dog à demi entamé. Si je ne trouve pas d'eau très vite, je vais sûrement y rester. Seul l'espoir de retrouver mon amour Hélène me pousse à continuer. Seule ma quête vers ce fabuleux trésor appelé le Big Whoop m'a mis dans cet état pitoyable. Je croyais que le trésor m'apporterait la gloire. Au lieu de ça, il m'a poussé dans les griffes de mon ennemi, le Chuck, le pirate zombie. Il intriguait pour épouser Hélène. J'ai inventé le complot. Il a cherché à se venger. Ça y est, j'ai très très soif. Si seulement je pouvais mettre le grappin sur un peu d'eau fraîche, je trouverais la force de naviguer. Ah, mais je sais qu'il n'y a que l'océan à perte de vue. Si je pouvais toucher terre, je trouverais de l'eau et de la nourriture. Des fruits peut-être. De quoi combattre le scorbut et retrouver mes forces. Pourquoi pas des bananes? Ah, pourquoi je me torture à ce point? Ah, je ferais aussi bien de rêver d'un poulet arrosé d'un bon grog. Ce serait aussi insensé. Ah, ma tendre Hélène. Suis-je voué à mourir de faim sur cet océan sans revoir ton doux visage encore une fois? Se peut-il... Faudra-t-il te le répéter, le Chuck? Je reste insensible à tes arguments. Hélène? Par mon sang congelé, tu en viendras, mémé. Navigue à mes côtés, je ferai de toi la reine des morts. Navré, ce soir, je m'occupe de mon shampoing. Maudit soit ton shampoing, femme! Ne vois-tu pas se languir cette vieille dépouille salée? J'enrage de ne pouvoir te couvrir de tendres caresses. Honnêtement, je crois que mon père n'apprécierait pas que je sorte avec un mort-vivant. Dans le genre zombie, tu es sûrement un type trop bien pour moi. Restons bons amis, je préfère. Sois réaliste, le Chuck. Tu n'es qu'un monstre, à l'haleine fétide, au penchant sadique et au mauvais fond. Et ça n'est pas du tout le genre de rapports sentimentaux que je recherche actuellement. Maudite soit tes charades, petite impertinente. Que veux-tu dire? Ah! Oh!
Tu es un monstre sanguinaire. Tu m'as déjà enlevé, tu as soumis mes amis à la torture et tu as arraché à mon affection le seul homme que j'ai jamais aimé. Guybrush Threepwood. Ah, comme c'est romantique. Bâton en vue! Threepwood? Repêchez-le! Guybrush? Guybrush Threepwood, par mes tripes gangreneuses, j'ignore comment tu as échappé à mon carnaval des damnés, mais tu n'échapperas pas au tranchant de ma lame! Ah! Oh, la péronnelle a du mordant! Jetez-le à la cale, je l'achèverai après la bataille! Larguez les chaloupes! Préparez le boulet, vaudou en flamme! Je dois réussir à sortir d'ici pour aider Hélène. Si seulement je pouvais franchir cette porte, alors je pourrais venir à bout de ceux qui gardent le pont, puis m'esquiver en douce et gagner la côte. Arrêtez mes sbasses, prisonniers. Allez au diable, chien galeux! Je vois un diorama représentant les enfants du monde vivant dans la paix. Non, attendez, ça ne peut pas être ça. Il fait trop sombre pour discerner quoi que ce soit. Je jure que je vous ferai regretter d'être né. Si vous m'entendez, démons puants, damnés de la terre, ouvrez-moi cette porte! Oh, ce n'est pas que je veuille m'échapper. Je veux juste boire une vraie boisson d'homme avec vous. Faites votre prière! Votre dernière heure a sonné! Hé! Hey, si vous êtes derrière cette porte, misérable avorton des enfers, gare à vous! Parce que je vais me tirer d'ici! Buveur d'eau de cale! Vous n'avez rien dans le bide! Salut! Y a-t-il quelqu'un ici qui ne soit pas mort ou damné? Goûtez-moi ça! Une grille. Il n'y a personne là-haut pour m'entendre. Disons, personne de bien intentionné. Et celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Il est chou, ce modèle réduit de pirate. Reste où tu es. Je m'appelle Guybrush Threepwood. Et toi? Je suis le méchant pirate sanguinaise. Je navigue sous la bannière de la mort et je suis d'une cruauté sans égale. Au moindre faux pas, je te tranche le museau. C'est une fausse barbe, je suppose. Sanguinaise, le pirate ne porterait jamais une fausse barbe. Si, elle l'est. Elle est collée derrière tes oreilles. Pour tout dire, c'est une barbe des plus sophistiquées. Faite avec des poils arrachés au dos et à la poitrine de vrais pirates. J'espère qu'elle prendra racine si je ne la lave pas. Hé, hey, attends un peu. Tu n'es pas un pirate? Wally! Tu ne me reconnais pas? Je suis Guybrush Threepwood. Mince alors! Bonjour, monsieur Threepwood. La dernière fois, on était tous les deux prisonniers dans le donjon de LeChuck. Comment t'es-tu retrouvé sur un navire de mort-vivant? Eh bien, monsieur Brush, au début, j'avais quelques doutes. Mais grâce au cours de LeChuck, à ses stages de motivation et à ses livres perroquets, je suis devenu un fieffé corsaire. Vous pouvez aussi. Demandez-moi comment. Tu n'as pas un manuel que je me fasse une idée? Tenez. Ce condensé présente la philosophie de base du pirate.
Non, merci, je ne suis pas preneur. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Ouh! Cette porte donne sur la cale au trésor. Il y a là-dedans des montagnes d'or et d'argent. Il a amassé ce formidable butin pour l'offrir à Hélène. Le Chuck est convaincu qu'il peut acheter l'amour d'Hélène. Quelles sont les intentions de le Chuck? Il travaille sur une arme secrète. Un boulet d'une puissance monstrueuse. Il va s'en servir pour abattre les murailles de ce fort. Ensuite, l'équipage pourra s'emparer de l'île. Tu ne vaux rien comme pirate. Ferme ton clapet, harensort décalcifié. Encore un mot et je t'envoie embrasser le fond de l'océan. Et avec l'aide de qui? Marsouin aphasique. Un seul mot et je te cuisine au plomb farci. Tu n'en es pas capable. Allons-y. Je vais t'exploser la tête. Je vais... Oh, j'y arrive pas. Je ne peux pas. Vous avez raison, Monsieur Wood. Je ne vaux rien comme pirate. Je ne suis ni féroce, ni sanguinaire, ni cruel, ni rien du tout. Je ne suis même pas désagréable. Oh. Ah. Allons, allons. Je deviens bon à ce petit jeu-là. Oh, dégoûtant, tous ces ossements et ces épaves qui dérivent par ici. Le passage est trop étroit pour passer. Ha! Ils se sont trompés de crâne cette fois-ci. C'est un horrible crâne. Si je pouvais lui mettre la main dessus. Mais pour ça, il faudrait que j'ai une main. Je peux t'appeler Bob? Tu peux m'appeler Murray. Je suis un esprit de l'enfer. Je suis venu t'apporter le malheur. Tous les démons m'acclameront quand je franchirai d'un pas martial les portes de l'enfer avec ta tête au bout d'une pique. Martial? D'accord. Disons plutôt que j'y arriverai en roulant. C'est pas joli de se moquer des infirmes. On t'a déjà dit que tu ferais un bougeoir de toute beauté? J'ai l'impression que tu me prends pas très au sérieux. Non, là tu fais erreur. C'est vrai? Alors prouve-le, pousse un cri de terreur. Oh. Pourquoi ceux de ton espèce rient-ils toujours autant? Oh, je ne riais de rien en particulier. Là en dessous, il y a un poisson qui me chatouille les orteils. Tu me fais aussi peur qu'un épouvantail. Un épouvantail qui en jette, j'espère. Laisse tomber. Il y avait des chauves du côté de ta mère? Je ne suis pas chauve. J'ai simplement le front très haut. C'est sûr que question fringue, t'as plus de soucis à te faire. Y a du vrai dans ce que tu dis. Question accessoire, c'est simple aussi. C'est un avantage. Mais j'aime bien les chapeaux. Nous y voilà. Comment tu fais pour voir sans yeux? Et toi, comment tu fais pour vivre sans cerveau? Ce sont les mystères de la vie. J'y vais maintenant. Bien. Maintenant, laisse-moi. J'ai quelques plans démoniaques à mettre en œuvre. Bon, d'accord. Tâchons de regarder les choses du bon côté. Au moins, j'ai perdu du poids. Ah, le choix des activités est assez restreint quand on n'est plus qu'un crâne.
c'est mon bras. Prends-le-moi. Si au moins j'avais des lèvres, je pourrais siffler. Si je te rendais ton bras, qu'est-ce que tu en ferais? Je terroriserais les mers du sud. Je torturerais les vivants. Je démolirais les... Je voulais dire plutôt, je m'en servirais pour caresser les petits chats. Non, tu t'es trahi. Zut! C'est vraiment pas juste. Ils vont tous monter à l'assaut du fort, et moi je suis coincé ici. Goûte-moi de cet acier, misérable petite corde. Alors, grâce aux flammes démoniaques du boulet vaudou en flammes, je pulvériserai mon amoureuse rebelle jusque dans les entrailles de l'autre monde. Elle verra à quel point je l'adore. Oh, par le nombril de Neptune, le coup est passé près. J'ai perdu mon coutelas pendant que le navire sombrait. C'est le Chuck dans toute son horreur, splendeur. Des bernaches couvertes de chocolat, des crochets en guimauve, des oursins, un œil de verre. Blurgh. Il est poignardé en plein cœur. C'est à la fois mignon et sinistre. C'est une belle machine à laver avec un sèche-linge associé. Hey, c'est la collection Les plus beaux slow zombies. Épouse-moi ou meurs. Touchant. Je n'ose imaginer quelle était l'intention de LeChuck avec cela. Aucun pirate qui se respecte ne porterait un truc pareil. Ce peigne a dû en voir de toutes les couleurs. Comment ferais-je pour nager avec tout ce trésor? Je vais le laisser ici et revenir le chercher quand j'aurai un bateau. C'est un sac plein de jetons en bois. Ça vaut que dalle. Hé, il y a une bague de diamants derrière ce sac. Hé, quelqu'un peut me lancer une corde? Je peux voir le fond de l'océan. Il y a un crâne qui flotte là-bas. Et il n'a pas l'air commode. Guybrush? Guybrush! J'ai cru t'avoir perdu à jamais. Est-ce vraiment toi? Oui, Hélène. Tu le pensais vraiment, ce que tu as dit tout à l'heure? Que j'étais le seul homme que tu aies jamais aimé? Eh bien, oui, Guybrush, je crois que oui. Hélène, je suis un homme d'action, un flibustier, un solitaire, un baroudeur, un marin qui retient son souffle pendant 10 minutes. Je n'ai ni attache, ni regret, je vais au gré du vent, là où m'entraîne l'aventure. Mais malgré tout, il y a une chose qui me ramène... Guybrush, arrête ton cinéma. Hélène, veux-tu m'épouser? Guybrush! Oh. Wally, tu es vivant? Mais
Comment as-tu survécu à l'explosion? Ça m'a projeté au loin. Vraiment, un coup de chance que j'ai pas mis la ceinture, hein. Waouh, Hélène! Quelle belle bague! Merci, Wally. Guybrush vient de me l'offrir pour nos fiançailles. Eh, elle ressemble étrangement à la bague de diamant que le Chuck avait au coffre. Tu sais, celle qui porte l'horrible malédiction vaudou qui défigure celui qui la porte. Ouais, oh bah, je suis sûr que Guybrush te l'aurait pas donné, hein. Bon, bah c'est pas tout ça, il faut que j'y aille, moi. Il paraît que sur l'île, il y a un effaceur de tatouages qui n'abîme pas les taches de rousseur. On se verra à la noce. Guybrush? Oh non, Hélène? Oh, elle risque de ne pas apprécier.